ce du hockey sur gazon. Aujourd'hui, tu vas découvrir l'un des sports les plus populaires au monde et pourtant peu connu chez nous, le hockey sur gazon. Pour cela, tu as rendez-vous avec Léo, un joueur du Stade français, l'une des meilleures équipes en France. Bonjour. Bonjour. Alors, tu t'intéresses au hockey? Oui, j'aimerais bien voir comment ça marche. Ok, cool. Bah viens, suis-moi. Un sport ancestral. Le hockey est un sport très ancien, puisqu'on y jouait déjà il y a 4000 ans en Égypte et en Perse. Et depuis tout ce temps, le principe n'a pas changé. Deux équipes s'affrontent et celle qui marque le plus de buts a gagné. Alors tu vois ici, Chloé, on est sur un terrain de hockey sur gazon. Pour du confetti stuff, pour vous protéger, protéger les autres. Faut la faire du bas. La faculté s'affronte ou tu jettes des tracoliques. Quand tu touches, elle t'aide à votre coude ou dans sa bouffoie. Et si sa bouffoie en papier, tu jettes ta bouffée qui ou renaffe tes mains. Et pour plus de sécurité, on peut se rire là-bas, on peut s'embrasser et on ne fait pas que tu touches. Allez, viens, on y va. Les règles du jeu. Donc le hockey, ça se joue avec une crosse. Ça te permet de contrôler la balle, de faire des passes ou de tirer au but. Et est-ce que j'ai le droit de toucher la balle avec mes pieds? Dans les règles, tu peux jouer qu'avec ta crosse. Si tu touches la balle avec les mains ou les pieds, c'est une faute et tu dois rendre la balle à l'adversaire. En plus, la crosse s'utilise d'une manière bien précise. Donc sur la crosse, t'as un côté plat et un côté rond. Et t'as le droit de jouer qu'avec le côté plat. Si tu touches la balle avec le côté rond, c'est une faute. Et là encore, tu rends la balle à l'adversaire. Du coup, pour la diriger, ça demande un petit peu d'entraînement. Savoir te déplacer avec la balle, c'est bien. Mais marquer des buts, c'est encore mieux. Donc si tu veux tirer ou faire une passe, tu peux le faire de trois façons différentes. En bouche, en raclette ou en shoot. Tu veux essayer? Bah ouais. Allez, à toi de jouer. Bouche. Raclette. Shoot. Pas mal du tout. Mais attention, pour marquer un but, tu ne peux pas le faire de n'importe où sur le terrain. Tu vois, Chloé, cette ligne, elle délimite le cercle, qui est la zone dans laquelle il y a le gardien de but et dans laquelle tu peux marquer. Si tu es en dehors de cette zone, tu ne peux pas marquer. Tiens, en parlant du gardien, c'est le seul joueur qui peut arrêter la balle avec tout son corps. Et comme elle est très dure et très rapide, mieux vaut être bien protégé. J'aimerais essayer d'être gardienne. Ça tombe bien, il y a Victoire de l'équipe des filles qui est en train de s'entraîner à tirer au but. Tu pourrais aller l'aider? Alors justement, il y a beaucoup de filles qui jouent au hockey sur gazon. Et jusqu'à l'âge de 10 ans, tu vas jouer aussi avec des garçons. Et après tes 10 ans, les filles jouent avec les filles et les garçons. Toi. Et voilà, ta photo est finie pour aujourd'hui. Mais toutes techniques compatibles, si tu reviens de demain de 645. Et n'oubliez pas, tu peux retrouver tout un apprentissage, si tu plein d'autres histoires sur des animés discussifs quand tu fais ce display. Et découvre la police station. Piège, attrape et enferme le super vilain. Vite, il se balle. Arrête-le avec le canon ou la moto du super héros. Super Zings par Goliath. Pour être en forme, dépense-toi bien.